Mardi 4 juillet s'est tenu le défilé haute couture de Chanel pour la collection automne-hiver 2023-2024. Lors de cet événement de la Fashion Week de Paris, de nombreuses stars étaient réunies. Il y avait notamment Charlotte Casiraghi, qui est connue pour être l'égérie de la griffe et qui était placée au premier rang, non loin de Vanessa Paradis. Se trouvait également sa belle-mère, Carole Bouquet, avec laquelle elle a pris la pose pour l'occasion. Pour rappel, l'actrice de 65 ans est la maman de Dimitri Rassam, l'homme qui partage la vie de la monégasque depuis 2017. La comédienne était vêtue d'une chemise en soie noire assortie d'un foulard noué, d'un pantalon ample et de lunettes de soleil. La fille de la princesse Caroline de Monaco quant à elle a choisi un tissu classique de Chanel, le tweed, utilisé pour faire sa veste à motifs floraux rosés, ainsi que sa mini-jupe plissée. Pour rendre la tenue un peu plus fun, la chérie de Dimitri Rassam l'a accessoirisée d'un petit sac rose fuchsia et d'une paire de ballerines bicolores à petits talons carrés, dans les mêmes tons. Charlotte Casiraghi et Carole Bouquet n'en sont pas à leur premier défilé de la griffe en commun. Pour la collection croisière automne-hiver 2022-2024, la belle-mère et sa belle-fille s'affichaient déjà ensemble, à Monaco. Supérieure à Vanessa Paradis, Mai Wen, Charlotte Casiraghi. Les stars au premier rang du défilé Chanel haute couture automne-hiver 2023-2024 Le Rocher réunit pour un ancien défilé croisière de Chanel. L'actrice se la jouait décontractée avec un pantalon loose bleu-gris, une paire de sandales argentées, une chemise blanche confortable et un petit sac matelassé Chanel noir. Charlotte Casiraghi pour sa part s'amusait avec un total look fenangeant, avec une veste à motif losange, un sac vanity à chaîne et des escarpins noirs à talons hauts. La princesse Caroline était là, tout comme Pauline Ducruet, Tatiana Casiraghi et sa fille India. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Olivier Bordes.